Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Un seul titre au sommaire de ce journal. Le Monde célèbre aujourd'hui la journée de l'infirmière. L'ONIC lance un cri de détresse auprès des autorités compétentes pour mettre fin aux tueries et enlèvements des infirmiers à l'est de la RDC. Les détails à suivre dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, sachez que la communauté Nandé, originaire de la province du Nord Kivu, est venue échanger avec le chef de l'État sur la situation sécuritaire de l'Est, particulièrement dans le Nord Kivu. L'audience a eu lieu hier samedi dans son bureau de travail. Rachel Foutou, Roger D et Kazo Kazadi ont signé ce reportage. La situation sécuritaire dans la partie est de la République reste jusqu'ici la préoccupation majeure de tous les Congolais. Dans le Nord Kivu, la communauté Nandé, l'une des communautés qui continue à payer les lourds tributs de cette situation, est venue échanger avec le chef de l'État sur le voisin moyen de restaurer la paix. Une délégation Nandé, composée des chefs coutumiers, des leaders religieux et opérateurs économiques, a eu un long échange dans la soirée de ce samedi avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après plus de 2 heures de discussion, les leaders nandais ont fait part de leur satisfaction. Leur message a retenu la particulière attention du père de la nation. Nous sommes d'abord venus présenter les civilités au président de la République parce que depuis qu'il est installé pour son deuxième mandat, on n'avait jamais eu l'occasion de venir le voir. Et deuxièmement, nous sommes venus lui présenter et la situation que nous traversons chez nous à l'Est, plus particulièrement au Nord Kivu, c'est la situation de la paix parce que là nous vivons vraiment une situation critique. Les massacres, les viols, les kidnappings, les incendies de véhicules, de maisons et tout qu'on sort. Il nous a encouragé de continuer à prier et nous unir tous pour la recherche de la paix. Et si aussi continuer à communiquer en cas de nécessité, il faut qu'on lui donne chaque fois des informations parce que nous qui sommes sur le terrain, nous pouvons être bien informés que lui. La question sur le massacre du camp des réfugiés à Mugunga, à Goma, était également sur la table des discussions. Le président de la République a rassuré de son implication pour retrouver la paix dans le Nord Kivu. Sur cette question, il a reconnu que l'agresseur est là et que les stratégies sont montées pour que ce problème puisse prendre fin. Il y aura même une journée spéciale qui sera décrétée au niveau de la République pour commémorer les victimes de l'Est en général et du Nord Kivu en particulier, mais aussi nous avons parlé de la question socio-humanitaire pour indemniser les gens, pour consoler les gens, mais aussi pour s'occuper de plus en plus concrète des besoins des déplacés. Déterminé à restaurer la paix dans l'est du pays, le président Félix Tshisekedi a encouragé la délégation de ne pas baisser les bras et de ne pas se laisser manipuler par les agresseurs. Prévu ce dimanche, les obsèques des victimes des bombardements de M23 vont intervenir finalement le mercredi 15 mai prochain, une annonce du gouverneur militaire du Nord Kivu. On l'écoute. Nous venons d'une grande réunion, comme vous le savez. Nous sommes en train de faire des travaux pour préparer les obsèques de nos compatriotes qui ont été lâchement abattus par les Rwandais le 3 mai. Mais il s'est fait malheureusement que pendant que je faisais les tours, je suis allé à Kibati. On est encore en train de construire les caveaux. Je suis passé vers le stade. On prépare encore là où on doit exposer les corps. Et je me rends compte que nous ne sommes pas prêts. Et avec les élus, avec la délégation qui est venue de Kinshasa, on s'est rencontrés pour évaluer cette situation et l'analyser par rapport au reste du temps. Et on a trouvé qu'il est impossible qu'on puisse passer aux obsèques demain. Et nous allons communiquer la date qui suit, ensemble avec les élus
de la province du Nord Kivu, qui ont même aussi estimé que les dimanches ne seraient pas opportuns pour les obsèques, et donc on remet à la semaine qui suit. La date précise, c'est le mercredi. Je l'ai dit au début de ce journal, Journée internationale de l'infirmière, l'Ordre national de l'infirmière donne sa position face à l'insécurité de l'Est. Selon l'ONIC, beaucoup d'infirmiers sont tués, enlevés par les inciviques depuis l'évasion de l'Est de la RDC. Un reportage de Toto Songo. C'est dans le calme et la méditation que cette journée sera commémorée sur l'ensemble du territoire national. Ces choix de l'Ordre national de l'infirmière se justifient par le fait de la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est du pays. Aucune manifestation ne sera organisée cette année. Les infirmiers se disent solidaires avec le compatriote de l'Est meurtri par cette guerre injuste. Ces infirmiers regrettent les attaques perpétrées contre les centres de santé et hôpitaux par les rebelles de tous genres. En République démocratique du Congo, la Journée internationale de l'infirmière de ce 12 mai 2024 intervient dans un contexte particulier avec le bruit des bottes dans l'Est du territoire national. Le Conseil national de l'Ordre des infirmiers se joint à tous les infirmiers de l'Est et ceux de toute la République pour leur souhaiter une bonne fête. Nos infirmières, notre avenir. Le pouvoir économique des soins, c'est le thème retenu pour cette année. À New York, les ministres en charge de la santé se sont retrouvés dans le cadre de la 57e conférence sur la population et le développement. La RDC a été représentée par son vice-ministre de la Santé, Edith Chala, pour les commentaires. La 57e conférence sur la population et le développement s'est tenue du 29 au 30 avril dernier à New York, aux États-Unis d'Amérique. La République démocratique du Congo y a été représentée par le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge-Emmanuel Olen. Dans son intervention à la tribune de cette conférence, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté à la face du monde les résultats obtenus par la République démocratique du Congo dans la réduction de la mortalité maternelle avec l'appui de l'UNFPA. Il a également évoqué la situation d'insécurité que connaît la population de l'Est du pays, ayant entraîné environ 5,7 millions de déplacés, avant de saluer l'effectivité des promesses du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, depuis son avènement au pouvoir, avec l'accès des femmes à des postes de responsabilité politique. Le programme de la gratuité de la maternité est le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, avec un accent particulier sur le renforcement du capital humain. Nous voulons d'ici 2030 que la RDC s'engage notamment à poursuivre les efforts pour l'amélioration de la santé de la reproduction et des droits reproductifs dans le cadre de la couverture santé universelle en vue de l'élimination des décès maternels évitables. Nous voulons poursuivre les investissements pour accroître le nombre de sages-femmes et améliorer la qualité de la couverture des services pour sauver la vie de milliers de femmes. Nous voulons rendre disponibles les données démographiques et faibles et des qualités à travers la réalisation du 2e recensement général de la population et de l'habitat pour la planification des politiques et programmes de développement. Et a échangé avec la représentante présidente de l'UNFPA qui lui a transmis ses félicitations pour sa brillante allocution à la tribune de cette 57e conférence sur la population et le développement, ainsi que pour son plaidoyer en leur faveur. Célébration 50 ans d'existence du CNPP à Kinshasa, une grande activité a eu lieu pour rendre hommage à ce centre qui prend en charge les maladies neurologiques et psychiatriques. Plus de détails dans ce reportage. Jour pour jour, année pour année, les centres neuropsychologiques et pathologiques de Kinshasa, CNPP en sigle, viennent de réaliser ses 50 ans d'existence depuis sa création. Le CNPP, quand il avait commencé, il y avait un seul professeur belge et aujourd'hui on compte un grand nombre de médecins dans ce domaine-là. Non seulement on a un grand nombre de médecins, on a un grand nombre de professeurs dans le domaine de la neurologie et de la psychiatrie et en même temps le CNPP s'était engagé dans la formation des infirmiers en neuropsychiatrie. Toutes ces missions le CNPP l'a accompli avec brio, estime le professeur Daniel Okitundu, qui est le nouveau médecin directeur du centre. Mais le défi reste énorme et reconnaît pourtant. Le projet CNPP, on a installé
les deux départements, le département de neurologie, le département de psychiatrie, mais d'autres infrastructures qui avaient été prévues ne sont pas encore installées, notamment les infrastructures en rapport avec les soins de délinquants, les infrastructures en rapport avec les soins de personnes âgées, les infrastructures en rapport avec les soins des enfants et des adolescents. Donc, nous sommes encore au début, et maintenant qu'on a atteint 50 ans, c'est l'âge de la maturité. Ce nouveau comité a été désigné pour essayer d'apporter plus d'innovation en rapport avec les nouveaux défis de notre pays, la RDC. L'avenue Nguma sera probablement réouverte à la circulation d'ici le 15 mai. L'OVD est venu renforcer l'entreprise Aaron Sefou, ceci après le passage du chef de l'État. Un commentaire de Christine Lenzo. C'est question de quelques jours pour que les habitants de la commune d'Engaliema, surtout celles qui empruntent l'avenue Nguma, poussent un ouf de soulagement grâce aux travaux de réhabilitation exécutés par les ingénieurs de l'OVD Kinshasa. Tenez, après le passage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le 24 avril dernier sur l'avenue Nguma, jadis délabrée, les ingénieurs et les ouvriers de la DPK, sous la supervision du DG David Toumba et du DPK Alain Tshimbalanga, y travaillent nuit et jour pour rendre praticable cette route longue de 5 km et rétablir ainsi le trafic. Pour palper les réalités, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Kissaro, est descendu sur les chantiers Nguma. À la suite des plaintes qui venaient de la population, vous savez que Nguma est une route qui est fortement fréquentée par les habitants de la ville de Kinshasa. Et donc, alerté par toutes ces plaintes, le président avait fait une descente. Et nous avions ensemble parcouru cette artère pour voir l'état d'avancement des travaux. Et le constat était quand même assez amer qu'il y avait un grand retard. C'est ainsi que nous avons été obligés de redéfinir les travaux et d'impliquer également l'office de voirie et de drainage. Je suis accompagné par le DGA ainsi que le DPK de l'OVD. Nous avions impliqué l'OVD à faire que l'on puisse accélérer les travaux. Depuis l'appel fait à l'OVD sur ces chantiers, les travaux se réalisent en deux phases. L'OVD s'occupe de la chaussée souple en enrobé et la partie rigide en béton armé sont assurées par l'entreprise Aaron Sefou. Après inspection, le ministre exprime sa satisfaction. L'OVD, je veux dire, y a mis toute la technicité nécessaire, le professionnalisme nécessaire pour qu'on n'ait plus à revenir sur ces travaux. Ils ont déployé des engins qui travaillent un peu plus rapidement, tels que des pluvimixeurs. Nous avons essayé de corriger aussi les quelques malfaçons qui étaient constatées. Nous pouvons conclure qu'à partir donc de ce 15 mai, la route sera réouverte et la qualité des travaux sera au rendez-vous. Il s'y est de noter que l'OVD exécute aussi des travaux d'assainissement dans certains coins de la capitale, notamment à Lingwala sur l'avenue Kabalo, non loin de l'avenue Kalembelembe. Le nouveau gouverneur du Tanganyika a visité plusieurs chantiers au Lualaba. Christian Kitungwa Muteba a inscrit sa visite dans le cadre du jumelage entre sa province et celle du Lualaba. Yolande Voka, reportage. Il a profité de cette période d'avance son investiture comme nouveau gouverneur du Tanganyika pour répondre à l'invitation de son homologue du Lualaba. Le gouverneur Christian Kitungwa a commencé par le vaste chantier de l'aéroport international de Kolwezi. La partie arrivée et départ pour les vols nationaux ainsi qu'internationaux, l'escalator, les salles d'attente, le tapis roulant pour retrait bagages et autres ont été visités. Le quatrième gouverneur du Tanganyika a été ensuite conduit sur le chantier de l'échangeur routier de Kolwezi où les ouvriers procèdent déjà à la pose de la pelouse pour renforcer sa beauté avant l'inauguration. Christian Kitungwa Muteba était ensuite sur le site où se déroule la construction de la nouvelle université moderne de Kolwezi. Les auditoires, les homes et la clinique universitaire étaient passés au peigne fin par l'hôte de marque de la gouverneure Masuka. Il n'a pas tari des mots pour rendre hommage au président Tshisekedi, inspirateur de ces projets. Le chef de l'État a dit
Les échanges interprovinces ne doivent pas seulement être de bénéfice en termes de ressources, mais il y a une autre ressource aussi, c'est une ressource mentale, intellectuelle, qui peut être transmise d'une personne à une autre. Il est temps que l'on prenne la province du Lualaba comme une province modèle et qu'on fasse le jumelage avec le Tanganyika pour que l'on puisse aussi au niveau du Tanganyika décoller. Le nouveau chef de l'exécutif provincial du Tanganyika a été ensuite conduit sur le site de l'orphelinat officiel moderne du Lualaba portant le nom de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi dans l'agglomération Moussompo, territoire de Mouchacha, à une dizaine de kilomètres de Kolwezi. Plusieurs enfants en rupture familiale y retrouvent refuge et bénéficient d'un encadrement confortable aux frais du gouvernement lualabé. Début ce dimanche des travaux de réfection du rond-point Kapa. Nous sommes à Bounia. Les usagers marchands ambulants se réjouissent des travaux d'asphaltage allant du rond-point Kapa vers l'aéroport national de Murongo. Images et commentaires. Nous sommes au rond-point Kapa en ville de Bounia ce dimanche 12 mai 2024. Les travaux de réfection de routes asphaltées ont démarré par l'entreprise Mogabaron sous l'œil vigilant de l'administration militaire. Les usagers saluent de pied ferme cette volonté de toujours bien faire qui anime le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboyan Kachamadi. Notons que l'état de siège, 3 ans déjà, l'administration militaire, sous la gouvernance du lieutenant-général Luboyan Kachamadi, s'est penché à la réhabilitation des routes d'intérêt économique, la rénovation des infrastructures de base, ainsi qu'à la restauration de l'autorité de l'État. Ceci crée de plus en plus l'espoir et la confiance entre les autorités politico-militaires du pays et la population. Et puis la communauté locale de Benamouya 2 dans le Kasaï oriental vient de sécuriser une partie de sa forêt à travers la foresterie communautaire. C'est l'administrateur adjoint de Kabea Kamwanga qui a procédé à la remise de l'arrêté du gouverneur attribuant une concession forestière de conservation aux ayants droit coutumiers. Gaëtan Magalano et René Nguango. La communauté locale de Benamouya 2, secteur de Mukamba, territoire de Kabea Kamwanga, vient d'obtenir le droit légal de jouissance perpétuelle de sa forêt. C'est à travers un arrêté du gouverneur de la province du Kasaï oriental, leur attribuant une concession forestière de conservation d'une superficie de 768 hectares. Toute la procédure de conformité aux tests légaux en la matière a été bel et bien respectée. Devant cet arrêté, j'ai constaté que la procédure a été suivie pas à pas. Sans erreur. La prochaine étape maintenant, c'est venir appuyer ces gens techniquement, régulièrement, pour que la gestion de cette forêt soit faite d'une manière acceptable, durable, pour que la génération future puisse aussi bénéficier des produits de cette forêt. Le chef de terre ainsi que les ayants droit coutumiers, par le biais du chef de groupement adjoint, ont remercié les autorités et le partenaire qui les ont accompagnés pendant tout le processus. Gouverneur, oui, tout. Je remercie le gouverneur du Kasaï oriental, je remercie Cefled, Synchronicity, je remercie tout le monde. Aujourd'hui, nous venons d'obtenir ces documents qui nous permettent de sécuriser notre forêt. En outre, les femmes de Benamouya 2 ont sollicité des autorités coutumières leur prise en compte dans l'élaboration du plan simple de gestion des espaces. Ceci leur permettrait d'implémenter un projet en vue de l'autonomisation de la femme et de diminuer la pression sur l'écosystème forestier. Restitution à la presse de projets de construction à Kinshasa, on en parle dans ce journal. Sur la table du nouveau gouverneur, plusieurs projets, l'éclairage public, l'eau potable, les routes et autres. Lors d'un point de presse tenu samedi dernier, la presse a été nourrie des explications sur les projets des forages. Encore une fois, Gaëtan Magalano. C'est un projet qui fait couler encre et salive. Le projet de construction de stations mobiles de captation
de stockage, de traitement et des distributions d'eau dans plusieurs localités du pays continuent de susciter leurs réactions. Le samedi dernier, la presse obtient enfin l'occasion d'écouter le consortium, l'une des parties prenantes. Six avocats expliquent à la presse les facteurs qui ont été pris en compte, notamment l'achat de machines pour la construction de stations, le transport, ainsi que la formation de la main-d'œuvre locale. On ne pouvait pas câbler dans le vide. Il était très difficile d'être scotché à un prix. Non seulement on a des unités qui ont des capacités différentes, 2,5 mètres cubes par heure, 5 mètres cubes par heure, 10 mètres cubes et même 25 mètres cubes. On fait une espèce de pondération. C'est la raison pour laquelle on est à ce prix-là. On a des unités, certes, qui installent à Kinshasa, pourraient ne pas coûter ce qu'on peut vous faire croire, mais quand on s'éloigne des centres urbains, on a un certain nombre de composantes. Et on vous l'a dit, tout est importé. En ce qui concerne l'avancement du projet et le paiement reçu par Stever Construct de l'État congolais, ses avocats ont déclaré que selon le terme du contrat, l'entreprise devrait livrer 241 stations d'eau par année. Actuellement, 126 stations sont opérationnelles et 90 autres seront terminées d'ici la fin du mois de juillet. La presse nourrit par des explications qui aideront l'opinion dans les jours à venir à avoir une autre analyse. Croix-Rouge, une organisation impartiale et indépendante qui a pour mission de protéger la vie et la dignité des victimes des conflits armés. Le 8 mai est la journée consacrée à cette organisation en République démocratique du Congo, plus précisément au Maïndombé. Cette journée a vécu. Suivez. Maintenir l'humanité en vie, je donne avec joie et la joie que je donne est une récompense. Tel est le thème exploité lors de la cérémonie occasionnant le 196e anniversaire de la journée internationale de la Croix-Rouge célébrée à Inongo. Victor Kanda, président de la Croix-Rouge Maïndombe, a fixé l'opinion sur la quintessence du travail abattu par cet organisme international. La Croix-Rouge a comme mission de prévenir les maladies, soulager les souffrances, améliorer l'existence des populations vulnérables, où qu'elles se trouvent sans distinction de race, de religion, ni appartenance politique, à travers les programmes de développement communautaire durable, les activités de secours, à la préparation des réponses appropriées lors des catastrophes. Hormis la présence des secouristes dans les milieux de guerres et de conflits évoqués par le président provincial de la Croix-Rouge, il a également sollicité de l'aide aux autorités compétentes pour l'exercice de leurs fonctions à Maïndombe. Le gouverneur ad intérim Ignace Moza Bonda, ministre provincial de l'Environnement, a remis aux 78 volontaires secouristes formés des attestations appelées premiers secouristes à base communicationnelle PSBC niveau 1. Rappelons que Hélène Sandouk Bakouka, directrice provinciale de la RTNC Maïndombe, a été présente à cette cérémonie. L'enseignant congolais a l'obligation de valoriser la profession enseignante. Message du directeur provincial de l'EPST Kinshasa Lukunga au chef d'établissement. Un message lancé le samedi 11 mai 2024 à l'Athénée de la Gombe. Suivez. La province éducationnelle de Kinshasa Lukunga veut se conformer aux exigences de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Pour ce faire, le directeur provincial de l'EPST Kinshasa Lukunga, Yoy Bokete, Jean-Pierre, a sensibilisé le chef d'établissement sur la prise de conscience de la profession enseignante. Pour le PROVED, la profession enseignante doit être valorisée par l'enseignant lui-même pour mériter la confiance de parents, de la communauté et du gouvernement. Ainsi, la province éducationnelle de Kinshasa Lukunga va commencer à décerner des prix d'encouragement aux chefs d'établissement de sa juridiction qui se sont distingués pendant leur parcours professionnel et selon les critères qui seront définis. Et cela dans l'unique but de valoriser la fonction enseignante. La réunion de ce jour était centrée sur la lutte contre les antivaleurs dans les soucis de valoriser notre action enseignante, gage de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Aussi, nous avons interpellé les différents chefs d'établissement que nous tous, nous devons mutualiser les efforts et fédérer autour de son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, pour redresser le sous-secteur de cet enseignement.
La province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga a honoré Madame Kapesa, actuelle directrice de l'EP1 Gombe, pour avoir pris sa retraite dans l'enseignement et honoré par le gouvernement de la République pour avoir rendu de bons et loyaux services à la nation depuis 1971. Pour terminer, l'Union nationale de la presse du Congo en collaboration avec l'UNESCO a organisé une conférence à l'intention des journalistes sous le thème « Les journalismes face à la crise environnementale actuelle dans les mondes cas de la RDC ». Un reportage de Raphaël Nsadi et Christine Lenzo. La Journée mondiale de la liberté de la presse était consacrée cette année à l'importance du journalisme et des libertés d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Une crise qui met clairement en péril la planète Terre, la vie humaine et les moyens de subsistance. Voilà qui justifie cet atelier organisé par l'UNPC en collaboration avec l'UNESCO à l'intention des chevaliers de la plume sous le thème « Le journalisme face à la crise environnementale actuelle dans le monde ». Cas de la RDC. L'UNESCO estime qu'il est crucial de souligner que les journalistes indépendants ainsi que les scientifiques sont des acteurs essentiels pour aider nos sociétés à séparer les faits des mensonges et des manipulations, permettant ainsi de prendre des décisions éclairées, notamment en matière de politique environnementale. Les différents intervenants ont tour à tour reconnu que les journalistes couvrant ces secteurs environnementaux mettent en lumière les crimes environnementaux, dénoncent la corruption, la tâche qu'ils accomplissent parfois au prix de sacrifices extrêmes. Il y a des fois rétention de l'information par manque de moyens financiers pour couvrir ce genre d'événements. Ce qui laisse parfois le public sous-informé. Ont-ils conclu? Fin de ce journal de Yolande Voka. Merci pour votre fidélité. Anita Luamba revient sur ce plateau à 20h. Merci de rester avec nous.